De retour dans le jeu Quartier de la Peste. La simple proximité d'Horeb provoque la putréfaction des chairs. Une classe de mêlée me semble donc tout indiquée. Donc dans Noxramas, l'aventure sur Hearthstone. Kel'Thuzad vient de nous parler d'une classe de mêlée. Il est vrai qu'une classe de mêlée est conseillée pour battre Horeb, donc un guerrier principalement, voire un paladin, puisqu'il n'y a pas encore de chevalier de la mort en classe jouable sur Hearthstone. Devrait venir. Pour ma part, j'ai fait le choix du prêtre, ici, et on va voir ce que ça peut bien donner. C'est un prêtre, normalement, à coup rapide. Anduin contre Horeb. Et à coup faible. La lumière nous apportera la victoire. Voilà. On va rester sur nos cartes de base pour voir ce que ça peut donner. Au choix, soit je... Non, on va faire un bouclier divin. Il devrait pas être très agressif dès le départ. Ah, je me sens sale. S'emmerder. Un tir, un mort. Comme ça, peut-être s'y prendre deux. Ah merde, mais c'est moi qui prends deux. Oh, mais je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête. Je combat. Ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que je tente? Détruire un serviteur et 3 d'attaque ou moins. Bah tout simplement. Donne-moi de l'attaque. Voilà. Car les spores nous donnent de l'attaque. Effectivement, il faut tuer ses spores pour avoir de l'attaque. Faut piocher une carte à chaque fois qu'on s'est soigné. Et oui. Et en effet. On va piocher donc. On place la provoque. Et on l'attaque. Qu'est-ce qu'il va nous sortir pour 5 points? Une provocation aussi. Rampons des tourbières. Ah, il est malin. Il est malin. Mais moi là, j'ai réfléchi. Il nous faut rendre 3 points de vie. Donc on va healer la notre provoque. Et on pioche. Change l'attaque d'un serviteur pour qu'elle soit égale à ses PV. Non. Purée des vents. Ou alors, double les points de vie d'un serviteur. J'ai envie de doubler mon point de vie. Parce qu'en fait, on va attaquer lui. Je combats. Comme ça, ça provoque. Elle saute. Tout de suite. Bien que lui, après, il peut nous attaquer là. Et là, c'est un petit peu plus mauvais. Ça va être même très tendu. Parce qu'il va... Faut que non, il est obligé de nous attaquer là. Qu'est-ce qu'il a choisi? Je comprends pas. Les cartes comme ça, choisir en face, il prend la plus mauvaise. Je comprends pas. Bref. Fury des vents donc. On va aider notre grosse carte. C'est une 9-6, on va continuer à la healer, quoi que nous on a des points en bas. On va se heal nous-mêmes. Et on l'attaque. Et on l'attaque. Et on attaque. 42. On devrait gagner juste parce qu'il y a 42.
qu'il va choisir. Oh, joli. Et là, ça devient intéressant. Ça devient même très intéressant. La Pandarie sera à nous. Vous allez voir pourquoi. Change l'attaque d'un serviteur pour qu'elle soit égale à ses PV. Là, j'hésite pas du tout. Je prends ça. Et là, j'attaque la sphère. Et voilà, regardez mes cartes. C'est pas magnifique ça quand même. Alors, on va se heal un petit peu plus. Et on va se heal. Je sais pas. Je ne sais point. Parce que dans tous les cas, il vise là. Bon, allez, on va se heal lui là. Et là, alors 17 et 22, ça fait du. Bon, on a gagné. Je combats. On a gagné. Bien sûr. Je m'embête pour rien. Au prochain tour, on a gagné. Ah non. Ah. D'accord. C'est pas tout à fait ce qui était prévu. 2 points de dégâts. Hop là. On a gagné 30 dans ta face. Juste histoire de, parce que j'ai envie, voilà. Et on va mettre ça juste pour le troll. Voilà, comme ça, moi, il perd un petit peu. Et vas-y, non, comme ça, il nous fait pas chier. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y, mon petit rêve. Adieu. Tu continues à tuer mes serviteurs. Arrête ça tout de suite. Très, très pratique, ce deck prêtre pour Oreb. Voilà, donc la fin du quartier de la peste. Il nous reste à faire le quartier militaire, quartier des assemblages et l'antre du Virme de Givre, qui est donc l'étage de Naxxramas, avec quel Tuzan en personne. La prochaine fois, on attaquera le quartier militaire, donc avec l'inspecteur Razivius. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. À la prochaine.